Malgré la ferveur des supporters ivoiriens venus en masse assister à la rencontre opposant les éléphants aux Super Eagles, la sélection ivoirienne n'a pas su déjouer la sélection nigériane. Une défaite à domicile qui, du côté des supporters, est difficile à avaler. Aujourd'hui, on a vu la compétence de l'équipe nationale ivoirienne. Avec ce jeu, c'est très très nul. Avec ce jeu, on ne peut pas aller à quelque part. On ne peut pas remporter la coupe avec ce jeu. Avec des joueurs sur le terrain, comme Franck Kessié, Serge Aurier et Jean-Philippe Crasso à l'attaque. C'est pas bon. C'est même pas bon. Ça donne pas l'envie de regarder les matchs. Franck Kessié, à lui de venir chercher le ballon pour aller donner aux attaquants pour marquer. Mais lui, il veut marquer toujours. Il est toujours devant. Il laisse qui Sanare et Seko. Vraiment, on remercie Seko. Seko, avec l'entrée de Senghor, avec Ouma Diakité. Vraiment, on demande à l'entraîneur qu'il fasse jouer les jeunes joueurs, les jeunes qui ont l'amour du pays pour nous faire gagner, pour nous donner de la joie. Vraiment, on ne veut pas Franck ici encore avec Serge Aurier sur notre terrain. Un ressenti que certains imputent directement aux joueurs. Moi, je pense qu'on a des joueurs qui ne sont pas tout à fait en forme. On a parlé le capitaine qui n'a pas joué à elle, lequel vaillant. Le coach aussi, je pense qu'il y a des regards à faire là. Parce que quand tu regardes le jeu, de façon générale, il n'y a pas eu d'intensité, il n'y a pas eu de volonté de la part des Ivoiriens d'aller chercher les buts. Alors que l'équipe de Nigeria, on sait bien qu'elle est prenable, il n'y a pas beaucoup de joueurs, ils n'ont pas de grands stars, à part l'attaquant, là, Victor, là, il n'y a pas de grands attaquants, il n'y a pas de grands joueurs qui peuvent nous mettre en difficulté, mais on n'a pas réussi à prendre les 3 points. Donc, je suis vraiment dessus, là. Tout n'est pas perdu pour autant. Troisième du groupe A, la Côte d'Ivoire doit impérativement battre la Guinée équatoriale le lundi 22 janvier.